Comme le disait si bien Bouddha, une bonne posture et quelques bonnes respirations bien détendues, voilà ce qui peut faire une grande différence dans votre vie. Bienvenue dans cette capsule dans laquelle je vais vous parler. Vous l'aurez compris donc de posture. Cette vidéo sur la posture a pour moi un intérêt tout particulier car elle est en lien direct avec notre époque. Depuis maintenant presque deux ans, nous sommes presque 8 milliards sur notre planète, sur notre terre-mère, à être confrontés à une, crise, à une crise mondiale, celle du coronavirus. Cette crise nous a imposé pour la plupart des confinements quasi-totals qui ont changé nos repères, qui ont modifié nos schémas émotionnels au travers des peurs, des colères, des tristesses exacerbées. Mais plus que tout, certains d'entre nous, un grand nombre, ont été obligés d'envisager une façon de travailler totalement différente, le télétravail, et cela a eu un impact extraordinaire sur l'humain. Quand je dis extraordinaire, ce n'est pas forcément dans le bon sens du terme. Et cet impact a été tant concernant l'impact biomécanique, c'est-à-dire sur nos structures ostéo-articulaires, que sur la gestion de nos émotions. Pourquoi Tout simplement parce qu'elle a modifié. La posture de ces personnes quand elles travaillaient. Quand on travaille dans, dans notre entreprise, au travail, on se lève, on est debout, on va marcher, on va boire un café, on discute, on a une position, donc ce qu'on appelle une position d'érection du rachis, c'est-à-dire d'autograndissement, de verticalité. Mais on a cette position-là et de temps en temps on est assis. Mais quand on commence à être trop longtemps assis, on se lève, on marche, etc. Donc on est dans cette verticalité. Dès lors que l'on est en télétravail, on est chez soi, très souvent seul. Et, et j'ai vu moi-même, au travers de mon expérience, et j'imagine que vous l'avez observé vous aussi, des gens travailler en télétravail dans leur canapé, sur leur table de salon, sur des chaises qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas ergonomiques, etc. etc. Et donc tout ça a impacté tout simplement les schémas posturaux de ces personnes pendant des semaines, voire des mois, puisque le télétravail a duré pour certains pendant presque deux ans. Et donc ça a impacté tant l'aspect ostéoarticulaire que l'aspect émotionnel. Vous allez comprendre quand je vous aurai expliqué ce qu'est donc la posturologie. Donc la posturologie, qu'est-ce donc La posture est certainement un des fondements de la gestion de nos schémas émotionnels. Bouddha, vous l'avez compris au travers de la citation, à son époque, faisait déjà le lien entre les deux. Mais plus récemment, dans les années 1970-1970, ce sont Richard Bandler et John Grinder qui, qui ont créé, qui sont les pères fondateurs de la programmation neurolinguistique, qui ont donné, qui ont commencé à donner les lettres de noblesse à la posture. La posturologie, l'étude de la posture, est une science. C'est une science qui est, qui est très connue et qui est très prisée par un grand nombre croissant de thérapeutes, que ces thérapeutes soient des ostéopathes, des kinés, physio, des dentistes, des neurologues, des ophtalmologues, peu importe. Tous ces thérapeutes dont je fais partie s'intéressent de plus en plus, on va dire, depuis quelques années, à cette science qui est la posturologie. Cette science nous permet de pouvoir résoudre... Bon nombre de problèmes de santé, quelle que soit notre profession. Mais surtout et avant tout, elle permet d'influer sur notre mental, sur notre subconscient, sur notre système neuro-végétatif. Vous savez, ce système neuro-végétatif qui est le système nerveux autonome, euh, nous avons un système nerveux central volontaire. Quand je décide de prendre une bouteille, c'est mon système nerveux central. Je décide de le faire, je le fais, je mets en branle tous les muscles et toutes les actions pour pouvoir le faire. Mais nous avons un système nerveux indépendant de notre volonté qui est parallèle à notre système nerveux central, qui est le système neurovégétatif, c'est le système nerveux autonome. Et ce système neurovégétatif, il est composé de deux systèmes majeurs que sont le système orthosympathique et le système parasympathique. Alors qu'est-ce donc que l'ortho et le para Tout simplement, l'orthosympathique a une origine. Ce sont donc des, 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 des émergences neurologiques qui ont une origine l'orthosympathique dorsale haute au niveau des chaînes ganglionnaires qui a le long de la colonne vertébrale derrière dans la partie haute dorsale du dos et qui viennent innerver tous nos organes avec cette innervation orthosympathique. Et le système parasympathique est un système qui a une origine Crânienne, ce sont les nerfs crâniens, les fameux nerfs crâniens, les douze paires de nerfs crâniens, et une origine sacrée, c'est-à-dire au niveau du sacrum, c'est le bas de la colonne vertébrale, entre les fesses, le petit os qui est comme ça, entre, entre les fesses, au niveau de la, de, la, de la partie supérieure de la raie des fesses, ce petit os triangulaire. Et donc l'origine, elle vient soit du crâne, soit du sacrum, pour le système parasympathique. Et pareil, ça vient énerver tout notre système, on va dire tous nos organes, euh, tout, tout notre, notre système on va dire, de, de organique vie, de vie autonome, c'est-à-dire tout ce qui va fonctionner un petit peu tout seul, le péristaltisme intestinal, le rythme cardiaque, euh, le flux sanguin, la tension, etc., etc., etc. Tout ça, c'est le système neurovégétatif. Et en fait, si on devait comparer à une voiture, je dirais que le système orthosympathique, ça serait l'accélérateur de la voiture. Par contre, le système parasympathique, c'est le frein de la voiture. Et, et et en fait, l'orthosympathique, c'est tout ce qui va accélérer, accélérer notre rythme cardiaque, accélérer notre flux sanguin, accélérer euh, notre transit intestinal, tout ce qui va nous accélérer, tout ce qui va nous booster. Et le parasympathique, c'est ce qui va nous ralentir. C'est ce qui va ralentir le flux sanguin, ce qui va ralentir le rythme cardiaque, le transit intestinal, etc., etc., etc. Et ces deux systèmes, para et orthosympathique, doivent travailler toujours en équilibre, chez la plupart des gens, c'est le cas. Mais de plus en plus de gens voient ce qu'on appelle une dystonie neurovégétative, c'est-à-dire sont trop accélérés, c'est-à-dire trop speed, trop avec, un, avec une pression cardiaque qui augmente, une tension, avec, avec un transit perturbé, etc., 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 soit trop para, c'est-à-dire trop ralenti, avec du mal à à avancer, du mal à y aller, avec un, un, un ralentissement euh, au niveau du rythme cardiaque, avec un, un ralentissement du transit, etc. C'est-à-dire, sont dans ce qu'on appelle une dystonie neurovégétative. Soit trop d'orthos, soit trop de para, euh, soit pas assez de l'un, soit pas assez de l'autre, soit pas assez de l'un et trop de l'autre. Enfin bref, il y a tous les cas de figure, ce qu'on appelle donc des dystonies neurovégétatives. Et notre façon de, te, de nous tenir, notre posture, notre attitude, nos expressions, notre façon de respirer, sont des vecteurs fondamentaux dans la gestion de nos pensées, de nos comportements, mais ont un impact majeur sur ce système neurovégétatif, donc sur toute la vie organique, forcément, puisque ce système neurovégétatif vient innerver nos organes. Comme le dit si bien le professeur Petit, qui est chef du service de psychologie à l'Université de l'Ohio aux États-Unis, notre posture façonne ce que les autres pense de nous. On, on observe et on juge les gens au travers de, de leur posture. on oh, Regarde la posture qu'il a. Il a l'air fatigué. Il a l'air. Il a l'air mou. Il a l'air, au contraire, il a l'air speed, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va juger les autres en fonction de leur posture. Mais selon le professeur Petit, plus que tout, la posture va façonner ce que nous pensons nous de nous-mêmes. C'est-à-dire la vision que nous allons avoir de nous-mêmes. Alors je vous pose une question. Comment vous tenez-vous lorsque vous recevez une mauvaise nouvelle ou que vous êtes triste C'est une question, euh, je connais un petit peu, j'ai aucun doute sur, sur votre réponse, mais je vous la pose quand même. Est-ce que votre regard est dirigé vers le bas Ou est-ce que votre regard est dirigé vers le haut Votre respiration est-elle plutôt basse, plutôt lente ou plutôt haute et rapide, vos épaules sont-elles redressées ou votre dos est-il rond, les épaules enroulées vers le bas Réfléchissez deux secondes à la posture que vous savez quand vous recevez une mauvaise nouvelle. Et je sais quelle est votre réponse puisque nous avons tous les mêmes modifications posturales quand nous recevons des mauvaises nouvelles, nouvelles. Nous savons que nos émotions impactent notre posture. Ce que nous savons moins, c'est que l'inverse est aussi vrai. Notre posture impacte, elle aussi, les représentations mentales qui nous habitent. Si vous assistez à certains séminaires de développement personnel, euh, de, de grands de grand ponts de développement personnel, vous serez certainement surpris d'observer des personnes sauter dans la salle, crier, ouvrir les bras en, en signe de victoire, les bras écartés comme ça, se taper sur le torse ou faire toutes sortes de choses qui pourraient paraître complètement farfelues. En fait, l'animateur tout simplement les met dans un état que l'on pourrait qualifier de faire comme si, c'est-à-dire se mettre dans l'état physiologique dans lequel ils seraient s'ils avaient atteint leur but. La posture est un des moyens les plus puissants, si on veut modifier, de façon quasi instantanée, ces représentations internes. Et donc, les états émotionnels dans lesquels nous sommes. C'est quelque chose que nous utilisons, mais j'en reparlerai énormément dans le milieu du sport. Vous le savez, j'accompagnais beaucoup de sportifs de haut niveau et c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. On les fait se mettre dans cet état-là de façon à pouvoir booster. Donc, on impacte sur leur posture, sur leur vision, sur leur visualisation pour pouvoir booster et optimiser leurs résultats. des nombreuses études médicales notamment à l'université Paris Descartes en neurosciences ont été réalisées et elles ont mis en évidence une modification des flux électriques observés tant sur les électroencéphalogrammes que sur les électromyogrammes ou encore les électrocardiogrammes n'oublions pas que l'adaptation posturale est gérée par un système qui s'appelle le système cérébelleux. De plus, des études réalisées à l'université de Harvard par le docteur Amy Cuddy en 2010 ont mis en évidence que la modification de la posture, quand on passe d'une posture fermée à une posture ouverte, cette modification de posture impacterait à la fois la confiance en soi, nos taux de testostérone et surtout notre taux de cortisol. Et pour celles et ceux qui me suivent, vous savez à quel point je m'intéresse à cette hormone cortisol en tant que thérapeute. Pourquoi Parce que bon nombre de pathologies sont liées à une augmentation trop importante de cette cortisolémie, c'est-à-dire du taux de cortisol dans le sang. Et il se trouve que, selon le docteur Amy Cuddy, et elle, a fait, elle en parle dans un, un, un TEDx, une conférence qui est, je crois, la, le TEDx le plus vu au monde avec plusieurs dizaines de millions de vues, elle a vu que dès lors qu'on modifiait sa posture, quand on était en posture fermée, c'est-à-dire je suis, je prends un exemple, je passe ma journée à travailler chez moi, sur ma chaise, face à mon ordinateur, dans une posture fermée. Posture fermée, c'est ça. Le taux de testostérone varie considérablement, c'est-à-dire que le taux de testostérone va diminuer d'environ 20%. Le, le, la confiance que les personnes ont ou peuvent avoir en elles, ce qu'on appelle la confiance en soi, l'estime de soi, diminue de 26%. Et plus que tout, les taux de cortisol montent de 25%, c'est-à-dire la cortisolémie monte de 25%. Par contre, dès lors que ces personnes repassent en posture ouverte, et juste pendant deux minutes, c'est d'où l'exercice que je vous conseillerais de faire dans, dans, dans cette capsule-là, c'est-à-dire de tenir pendant deux minutes une posture ouverte. Deux minutes de cette posture permet à notre taux de cortisol de redescendre et de redescendre de moins 15. Ça passe de plus 25 à moins 15. Le, le taux de testostérone remonte de plus 20 et surtout l'estime de soi remonte de 26%. Donc, on comprend l'impact notamment du télétravail avec ces postures fermées qui, qui vont venir modifier et influer tant nos taux de neurohormones que l'estime de soi, que notre métabolisme au travers du système neurovégétatif dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on comprend mieux quand on travaille. Dans son bureau, dans, dans un environnement classique, qu'en passant de la position assise à la position debout, en modifiant, en marchant, en passant dans la, dans la verticalité, etc., etc., on vient impacter tout cela. En allant plus loin, nous, nous savons aujourd'hui que ces modifications posturales expressives du visage impactent aussi nos défenses immunitaires et nos taux de globules blancs au travers de nos taux de cortisol. Nous comprenons mieux combien il est important de tenir compte de notre posture, certes, mais aussi de nos expressions. Selon les travaux du professeur Eckman de l'Université de Californie de San Francisco en 1985, si nous éprouvons une émotion, elle se lit sur notre visage. C'est la morphopsychologie. C'est ce que l'on connaît dans, dans, dans cette étude, dans cette science qui est la synergologie. Vous savez, les gens qui lisent les expressions. Il y a eu une série très connue dans ce sens à la télévision. Donc, si on éprouve une émotion, elle se lit sur le visage. C'est ce qu'on appelle la morphopsychologie. Mais l'inverse est tout aussi vrai. C'est-à-dire que l'on devient, d'après le professeur Ekman, ce que l'on inscrit sur son visage, sur ses expressions et sur sa posture. Si l'on inscrit sur son visage une représentation interne de joie, de bonheur, ou à l'inverse de souffrance, toute notre physiologie, à la fois neurohormonale mais neuroélectrique, je l'ai dit, va s'adapter pour nous le faire vivre. Ce sont ces travaux qui expliquent de quelle façon certaines personnes, vous savez, les agents secrets américains peuvent mentir lors d'une séance de détecteur de mensonges sans que la machine puisse même le déceler et c'est au travers de ces représentations faciales et posturales que on vient modifier la lecture, on va dire, de ces machines. Donc si on inscrit une expression sur son visage, sur son corps, toute notre physiologie s'adapte pour nous le faire vivre. Malgré toutes les recherches contemporaines en neurosciences, nos croyances collectives nous font plus souvent penser, dans notre vécu, au côté négatif du lien corps-esprit. En effet, tout le monde parle des effets désastreux du stress sur notre physiologie. Nous, nous savons tous et toutes combien les émotions négatives, on, dit, on travaille souvent en développement personnel en disant il faut faire attention aux émotions négatives et privilégier les émotions. Positives, les émotions négatives, il faut les éliminer, il faut les, 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 les faire sortir de soi. Et bien sûr, je suis promis à le dire. Nous savons combien ces émotions négatives peuvent même nous tuer. Mais combien savent l'inverse Combien de personnes sont dans la conscience que des états, des représentations, des postures, des expressions positives peuvent à l'inverse nous guérir Il y a donc aussi un côté positif. Du lien corps-esprit. C'est ce que le docteur Bruce Lipton appelle la biologie des émotions, c'est-à-dire l'impact des émotions, aussi l'effet nocebo, l'effet placebo. Vous savez, l'effet placebo, c'est l'impact de l'esprit sur les processus de guérison. On sait dans la médecine allopathique moderne, on le sait, et pourtant ce n'est quasiment pas enseigné dans, la, dans, dans, les, dans les études de médecine, mais on sait que la pensée, intervient à 33% dans les process de guérison. Or, votre pensée ne sera que l'expression, vous comprendrez. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez voir que vous allez avoir des apports de moi-même et d'autres intervenants, mais en l'occurrence, la source que moi, je vais vous dire, je vais vous parler de la posture, je vais vous parler du système membraneux, je vais vous parler... Euh, des émotions. Je vais vous parler de l'hydratation avec, avec les apports de l'eau, avec l'eau au niveau tissulaire. Et quand vous allez commencer à pouvoir faire le lien, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi la posture impacte nos émotions. Donc on sait que les, dans les process de, de, de guérison, l'effet placebo, ça vient intervenir à 33% dans les process de guérison. Ça ne veut pas dire que ça guérit à 33%, ça intervient dans le process de guérison. Et cet, été, cet effet placebo qui est lié aux pensées positives va directement en lien avec les représentations physiques, posturales, corporelles que vous allez avoir. Tout simplement au travers du système membraneux dont nous parlerons plus tard. Aussi, et de la même façon, pardon, j'ai oublié de le dire, mais de la même façon, le docteur Bruce Lipton appelle ça aussi l'effet nocebo, c'est-à-dire non pas l'impact des pensées positives sur les processus de guérison, mais l'impact des pensées négatives sur les processus de la maladie, sur l'installation de la maladie. Donc, on sait que nos pensées impactent positivement ou négativement. Le docteur Bruce Lipton appelle ça l'effet placebo, l'effet nocebo. Vous comprendrez mieux au travers de la posture comment ces pensées viennent en exergue et viennent impacter. Ces process physiologiques. Je vous invite à faire cet exercice suivant qui est décrit en annexe sur le PDF qui est intitulé Analyse et exercice postural. Voici cet exercice. De temps en temps, dans votre journée, le plus souvent possible, analysez, faites une espèce d'audit de votre corps, analysez votre posture, que vous soyez debout ou assis, analysez-vous posturalement parlant. Êtes-vous les bras croisés, les jambes croisées, fermées, refermées sur vous-même, ou au contraire les bras ouverts, les bras écartés, les jambes décroisées Votre regard est-il orienté en bas ou au contraire, avez-vous tendance à regarder plutôt vers le haut À ce moment-là, affichez-vous un air contrarié, maussade Ou au contraire, hein, plutôt un air enjoué, heureux, avec un sourire Quoi que vous fassiez au travail, en réunion, seul, devant votre ordinateur, en train de regarder un film, peu importe, modifiez immédiatement votre posture. Et vos expressions. Immédiatement, prenez en conscience, redressez-vous, ouvrez les bras, décroisez les jambes, souriez, mettez-vous dans une posture ouverte et tenez cette position en pleine conscience et volontairement au moins pendant deux minutes. Je dis bien deux minutes. C'est le temps qu'il faudra à votre corps, à toute votre physiologie, pour modifier les process électriques, biochimiques, faire baisser le cortisol, stimuler la confiance en soi, booster ses défenses immunitaires, remonter les taux de testostérone, etc. etc., etc. Il existe un, un dicton, un vieux dicton, je crois, qui dit. Si tu veux avoir l'air puissant, fais comme si tu étais puissant. C'est un exemple, c'est regarder les boxeurs quand ils montent sur un, un ring et qui se retrouvent face à face, regardez leur posture. Est-ce qu'ils sont dans une posture de victoire, de toute puissance, ou de soumission et de faiblesse Jamais, s'ils se mettent dans une posture fermée en baissant les yeux, en vous sentant les épaules, c'est, je peux le dire en tant, que, en tant que, on va dire, staff sportif, ils vont perdre le combat, c'est inéluctable. Donc si vous voulez être puissant, prenez une posture de « fait comme si vous étiez puissant ». Et moi je le modifierai quelque peu en disant « si tu veux être heureux, eh bien fais comme si tu étais heureux ». Bien sûr, on vit tous et toutes des choses difficiles. Certaines vivent des choses beaucoup plus difficiles que d'autres. Mais cependant, on peut toujours, toujours, toujours faire comme si, même si on n'a pas le cœur à le faire, on peut le faire. Et vous allez observer que plus vous le ferez, plus votre vision et votre état d'esprit vont changer. Personnellement, tous les matins, quand je me lève, j'affiche un grand sourire. Quand je me regarde dans le miroir, un grand sourire sur mon visage. Je n'ai pas forcément de raison majeure d'afficher un grand sourire. Mais je le fais. Et ça change radicalement tous mes schémas neuroélectriques. Et du coup, la, la journée que je passe prend une direction tout à fait différente. Si notre posture ne le permet pas parce que nous sommes figés dans des schémas posturaux que nous avons construits au fil du temps, Année après année, par nos expériences de vie pas toujours agréables, quoi que nous puissions faire comme travail sur soi, nos mécanismes neuroélectriques, nos schémas biochimiques seront autant de freins à notre bonheur. Pourquoi Parce que nous avons des, 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 des adaptations posturales, des capteurs posturaux euh, qui, qui, comment dire, qui vont venir impacter, qui vont venir modifier euh, et qui vont venir être un frein à tout ce que vous voulez mettre en place. En effet, nous avons des capteurs posturaux, c'est-à-dire des régions de notre corps, des parties de notre corps, qui viennent informer notre système nerveux central, notamment notre système cérébelleux, sur le positionnement de notre corps. Ce qu'on appelle ces capteurs posturaux, ce sont, ils sont principalement en nombre de trois. On en a plein, hein, mais les trois principaux sont nos pieds, notre regard, nos yeux et notre mâchoire. Et ce sont ces trois capteurs posturaux qui vont venir impacter de façon positive ou négative la capacité qu'on a de pouvoir changer. C'est-à-dire, je prends un exemple, je décide de vouloir me redresser et de garder une posture ouverte le plus longtemps possible dans la journée. Volontairement, je veux le faire parce que je suis dans cette conscience là. Je vais y penser et puis après, je suis dans le flux de ma vie, c'est-à-dire dans les automatismes de ma vie. Et dès lors que je bascule dans les automatismes de ma vie, mon corps va se remettre inéluctablement dans son schéma postural qui est lié à ces capteurs posturaux. C'est-à-dire que je peux vouloir le faire, mais ne pas avoir la capacité de le faire. Et à partir de là, à partir du moment où je n'ai pas la capacité de le faire, je vais être figé, fixé dans un schéma postural lié à ces capteurs posturaux que j'ai construit au fil du temps, année après année. Et, et, et qui vont venir influer mes mécanismes neuroélectriques, les schémas bio biochimiques, etc. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que mes capteurs posturaux sont en quelque sorte perturbés. Donc, ces capteurs posturaux, ce sont les pieds, les yeux et la mâchoire. Je vais reprendre très succinctement ces différentes parties. Tout d'abord, nos pieds. Vous connaissez les pieds plats et les pieds creux. Maintenant, le pied plat, c'est quoi? c'est quand notre pied, la voûte plantaire de notre pied, s'affaisse. C'est-à-dire que, normalement, quand on marche par exemple dans le sable ou sur un carrelage avec les pieds humides, on observe une empreinte de notre pied. Et vous observerez que l'empreinte de votre pied, la partie antérieure de votre pied, et il va y avoir une espèce de bande derrière, c'est-à-dire que le pied fait une espèce de, de bande, de, de, ça va se resserrer, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Dès lors que cela va se resserrer, la, la, le, la bande passante, c'est-à-dire le déroulé du pas, cette bande-là doit faire normalement un tiers de la largeur totale de mon avant-pied. Dans le pied plat, cette bande va augmenter, c'est-à-dire que le pied va s'écrouler et l'empreinte du, du médio-pied va augmenter. Et à partir de là, tout mon segment jambier va partir en rotation interne. Dès lors que ça part en rotation interne, j'ai mon bassin qui va partir en rétroversion. C'est-à-dire que je vais commencer à faire le dos en rond. Et mes épaules, pour s'adapter, vont s'enrouler vers l'avant. Je vais être dans une posture enroulée avec un pied plat. Et dans les pieds plats extrêmes, mes segments fémoraux partent en rotation interne. Des fois, les genoux partent même en hein, ce qu'on appelle en genoux valgum. Ça, c'est le pied plat. Le pied creux, à l'inverse, c'est le pied qui va, la voûte plantaire va s'éloigner du sol. Donc, la bande que, qui passe latérale sur l'empreinte du pied va diminuer. Dès lors, qu'est-ce qui va se passer Mon segment jambier et fémoral va partir en rotation externe. À partir de là, la personne va avoir tendance à se cambrer. C'est ce que vous pouvez observer sur le schéma, sur les courbures, on va dire, de la colonne vertébrale. Et dès lors que la personne se cambre, pour s'adapter, les épaules vont s'ouvrir en arrière, tout simplement. Donc on va modifier la posture en travers des pieds plats, pieds creux. Alors bien sûr, après, il y a des milliers et des milliards de pieds différents. Il y a des gens qui ont des pieds atypiques, des pieds plats d'un côté, des pieds creux de l'autre, etc. Il y a autant d'empreintes podales qu'il y a d'individus sur la planète. Mais il faut comprendre que cette empreinte podale va venir impacter nos schémas posturaux. Et il peut même y avoir des gens qui vont avoir des pieds plats d'un côté, pieds creux de l'autre, qui vont créer donc des torsions qui font que le corps va partir en adaptation. Vous comprendrez ça un petit peu mieux quand on parlera de, notamment, de, euh, du système membraneux sur une capsule suivante. Donc vous avez compris. Ses pieds. Donc, comment faire tout simplement pour savoir si on est équilibré Parce que, en, en posturologie, on a coutume de dire que tant qu'on n'a pas plus sur les trois capteurs, tant qu'on n'en a pas ou qu'on en a un qui est déséquilibré, le corps s'adapte très bien. Par contre, dès qu'on commence à en avoir deux de perturbés, le corps n'arrive plus à s'adapter et les pathologies, les modifications émotionnelles, posturales, biomécaniques se mettent en place et les lésions se mettent en place. Donc, c'est très important d'aller regarder ça. Donc, pour pouvoir faire une espèce d'audit, de ce capteur postural, c'est très simple. Vous prenez d'abord vos chaussures et vous observez l'usure de vos chaussures. Est-ce que l'usure est symétrique ou pas Observez l'équilibre de l'arrière-pied de vos chaussures, la partie renforcée derrière qui vient comme ça. Est-ce qu'elles sont bien équilibrées ou est-ce qu'elles sont comme ça Est-ce que le bord interne de votre chaussure, est-ce qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre Etc. Et, et dès que vous voyez une dissymétrie sur les chaussures, immédiatement, petit conseil de thérapeute, orientez-vous vers un podologue pour faire tout simplement un bilan podal. Maintenant, le capteur œil. Nos yeux ont tendance à avoir anatomiquement parlant, une divergence. C'est-à-dire que dans leur, dans, dans, les, dans leur lobe oculaire, dans leur fosse oculaire, vont avoir une orientation divergente. Ils vont regarder comme ça, comme vous le voyez sur le schéma et comme vous allez voir sur le PDF que je vous mets en pièce jointe. Dès lors que dès lors que vous allez avoir des tensions musculaires parce qu'on a des muscles on a des muscles droits internes, des muscles droits externes au niveau de l'œil et dès lors que ces tensions sont bien équilibrées bien, tout simplement les tensions des muscles droits internes vont être un tiers plus fort que la tension des muscles externes ce qui fait que ça permet aux yeux de se remettre dans l'axe et de faire le fameux test qu'on fait chez l'ophtalmo, vous savez, faire rentrer le lion dans la cage. Ça, c'est anatomiquement et physiologiquement comment ça se passe. Donc ça nous permet d'avoir les yeux droits grâce à cette différence, on va dire, de tonus musculaire entre nos muscles internes et nos muscles externes. Mais il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a d'abord un mauvais équilibre de lunettes. Et puis il y a des chocs qu'on peut prendre sur la tête. Je prends un exemple, je prends un choc sur la tête. Boum Qu'est-ce qui va se passer style, hein, je me redresse et je me prends un coin de fenêtre. J'envoie une onde vibratoire, cette onde vibratoire va envoyer une onde vibratoire dans mon liquide céphalorachidien, c'est plein de liquide interne de crâne. Et cette onde vibratoire va venir se répercuter sur mes muscles, par exemple mes muscles externes. Et là, qu'est-ce qui va se passer Je vais avoir un spasme musculaire qui est lié à cette onde vibratoire, à ce choc. Le muscle va se contracter, mais comme je bouge mes yeux, le spasme musculaire va rester. Et à partir de là, la personne va avoir un muscle droit externe, à droite ou à gauche, peu importe, plus puissant que le muscle interne. Voir les, le, 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 le rapport un tiers va disparaître. Et à partir de là, elle va avoir un impact sur toute sa posture. Pourquoi Parce que cette personne, du coup, quand elle va devoir fixer un point, une discussion avec quelqu'un, son ordinateur quand elle va travailler, peu importe, la télévision quand elle va regarder un film ou une émission, elle va se mettre spontanément dans une position adaptative posturale pour pouvoir mettre son œil au repos. Si son œil droit n'arrive pas à converger, qu'à cela ne tienne, je vais me mettre en rotation pour mettre mon œil droit au repos, tout simplement. Et ces personnes vont vivre toute leur vie. Elles se sont tapées la tête à l'âge de 12 ans et elles vont vivre toute leur vie avec un choc. Et avec une du coup une rotation comme ça pour mettre au repos leur œil droit tout simplement. Et en se mettant comme ça, elles vont entraîner tout le bloc cervical, la deuxième cervicale, vous comprendrez avec le système quand on fera le système facial pourquoi je vous parle de la deuxième cervicale. Et donc tout le corps va se mettre en torsion en adaptation, le bassin va se mettre en torsion en adaptation pour pouvoir adapter ça et cette personne. À l'âge de 30 ans, 40 ans, on va dire ah, mais j'ai mal au cervical, j'arrête pas d'avoir mal au cervical, j'ai une névralgie d'Arnold, j'ai une douleur sacrée, etc., etc., sans être dans cette conscience que c'est parce que tout simplement elle passe sa vie à faire ça et regardez regarder les gens comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais beaucoup de gens vous regardent légèrement de travers, tout simplement pour se mettre sur un œil qui est un œil, de, pour un repos sur un œil qui est un œil qui est spasmé au niveau de son muscle droit externe. Puis après, il y a d'autres cas aussi il y a les gens qui portent des lunettes. Des lunettes, c'est vrai qui ne sont pas bien, ou alors qui sont un peu lourdes. Et puis les lunettes, elles tombent. Et les lunettes, elles passent en hop, elles remontent les lunettes. Et les lunettes, elles tombent. Et hop, elles remontent les... Et à la fin de la journée, ils s'en rendent même pas compte, mais les lunettes sont légèrement descendues. Donc qu'est-ce qui passe Ils adaptent leur vue au travers du verre, tout simplement en montant comme ceci. Donc ils modifient leur posture et ils viennent fermer. Donc ils viennent exacerber le système parasympathique. Ça va venir les... Les ralentir. Pourquoi? Parce qu'ils modifient leur posture au niveau cervical. Rappelez-vous, c'est l'émergence du système parasympathique. Et donc, ils vont commencer à avoir des douleurs et des, des problèmes de transit, des choses comme ça, sans même avoir conscience que c'est tout simplement à cause de leurs lunettes. Donc, c'est très simple. On a, on a des lunettes, c'est facile, c'est pas cher. Régulièrement, on s'arrête chez un opticien et on vient les faire régler, resserrer pour qu'elle tienne bien sur la tête, et quand on fait ça, qu'elle ne glisse pas vers l'avant. Etc, etc. Donc comprenez que la vue, l'œil, peut impacter, et peut créer à la fois des schémas de torsion et des schémas de posture fermée. De la même façon que des pieds plats. D'accord euh, Maintenant, imaginez quelqu'un qui a des pieds asymétriques, qui se met en torsion, et qui en plus a soit un défaut de convergence, soit un problème de lunettes. Quand ça vient se cumuler, ça commence à être difficile pour le corps de s'adapter et surtout l'impact que ça a neurophysiologique derrière sur notre vie organique, sur nos émotions, etc. etc. Le dernier capteur postural, c'est l'occlusion à la bouche. Très simplement, on peut avoir, par exemple, un problème à l'âge de 12 ans, 13 ans, une carie. On a une carie, on a mal. Et là, qu'est-ce qui se passe Ben, je vais tout simplement... Comme j'ai mal, prendre l'habitude de mâcher de l'autre côté. Et je vais mâcher toujours à gauche, par exemple. Je vais le faire pendant un jour, deux jours, trois jours, dix jours, vingt jours, vingt et un jours. Et en se faisant, qu'est-ce que je crée Je crée une voie neuronale, parce que j'ai 12 ans, et en vingt et un jours, ça suffit pour créer une voie neuronale. Et je vais créer une voie neuronale, c'est-à-dire une habitude. Et je vais commencer à me prendre l'habitude de mastiquer toujours du même côté. Je vous demande de faire un petit audit lors du prochain repas. De votre prochain repas, observez de quel côté vous mastiquez. Est-ce que vous mastiquez toujours du même côté, ou est-ce que votre, comme vous devriez le faire, le bol alimentaire balance d'un côté à l'autre, un coup l'un, un coup l'autre, un coup. Un. Ce qu'on devrait faire. Vous verrez que la plupart d'entre vous ont l'habitude de mastiquer toujours du même côté. Ce pro le problème, c'est que ce faisant, qu'est-ce qu'on fait On vient créer des tensions musculaires majeures d'un côté. Les muscles temporaux, masséter et pterygoïdiens, c'est non très compliqué, vont commencer à être sur, à surtravailler un petit peu comme Nadal qui a un bras gauche comme ça et un bras droit tout petit. Pourquoi Parce qu'il frappe toujours du côté gauche. Là c'est pareil, des muscles très tendus, très forts d'un côté et pas de l'autre. Qu'est-ce que va faire mon crâne par rapport à ces tensions musculaires Il va s'adapter en torsion. Et en s'adaptant en torsion, qu'est-ce qui va se passer mon système membraneux va tirer, tout mon système adaptatif postural va se mettre en torsion, mon sacrum et mon iliaque va se mettre en torsion, et je vais commencer à avoir des douleurs, et je vais aller voir l'ostéopathe une fois, il va me remettre en place, mon bassin, mon sacrum, il va me dire oh ben vous êtes dans une torsion sacrée machin etc. Et puis ça va mieux, et puis six mois après, trois mois après, je retourne le voir, et il me dit oh ben c'est toujours la même torsion, et il me recorrige à nouveau etc etc, et j'ai même pas conscience que c'est juste parce que je mastique toujours du même côté, alors qu'il suffirait que je mastique comme ça pour faire lâcher ces tensions-là. Donc on comprend bien que ces schémas de torsion vont venir impacter. Vous comprendrez mieux ces schémas de torsion quand on parlera notamment du système membraneux, parce que je vais revenir dessus, et vous comprendrez pourquoi et par quel biais on se retrouve avec une jambe longue. Avec une torsion iliaque répétitive, avec un sacrum bloqué, avec une sacro-iliaque qui se bloque régulièrement, avec une douleur cervicale, voire une névralgie d'Arnold systématique du même côté. Et que ça se met en place Tout simplement, tout simplement comme ça, parce que nos capteurs posturaux nous amènent là-dedans. Donc vous comprenez que les capteurs posturaux sont très importants et qu'il est très important de les corriger. Corriger le pied, corriger l'occlusion et corriger euh, le, la, la, la vue, c'est-à-dire l'équilibre oculaire. Corriger la vue, très facile. C'est aller voir une fois de temps en temps, une fois par mois, faire équilibrer les lunettes et faire un petit bilan. Corriger euh, la, les pieds, assez facile. Si on regarde, si on voit des équilibres, on va voir un podologue pour avoir son avis. Si vous allez voir un podologue, un, un podologue qui travaille en posturologie pour avoir son avis. Si vous avez un problème, si vous vous rendez compte que vous mâchez du même côté, commencez à basculer. Et puis si euh, vous, avez, vous vous rendez compte que vous avez une carie, faites-la vite. Euh, corriger, traiter. Pour pouvoir recommencer à mastiquer des deux côtés. Enfin bref, et là le petit conseil que je vous donne, c'est que on dit toujours qu'on corrige du moins coûteux au plus coûteux. Si vous ne mâchez toujours que du côté gauche parce que vous avez une béance énorme à droite qui nécessite de poser des implants avec un bridge, etc., et que vous n'avez pas les moyens de le faire, ben corrigez la vue, le regard et les pieds. Et mettez. La mâchoire en troisième position parce que c'est ce qui vous coûtera le plus cher. Ne gardez jamais pas plus d'un capteur postural perturbé. Voilà. C'était le conseil que je voulais donner sur les capteurs posturaux parce que si vous ne, comment dire, si vous ne, ne prenez pas compte de ces capteurs posturaux, bah c'est comme si vous vouliez que vous voulez changer votre posture pour modifier vos schémas électriques. C'est un petit peu comme si vous essayez de courir avec un parachute ouvert dans le dos. C'est-à-dire que vous allez vouloir le faire, vous allez pouvoir le faire, mais ça va être très difficile de le faire. Je vous propose, pour finir cette capsule, de faire un exercice quotidiennement. Euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce que je fais euh, personnellement tous les matins. Tous les matins, lorsque vous vous réveillez, prenez l'habitude, dès que vous ouvrez vos petits yeux, qui sont encore tout engourdis de sommeil, c'est-à-dire vraiment, il ne faut pas attendre, hein, et que vous vous assoyez au bord du lit, que vous vous assoyez, vous verrez sur les vidéos bonus, Comment être dans son lit Comment s'asseoir au bord du lit C'est très important. Euh, et dès que vous vous asseyez au bord du lit, affichez un grand, un magnifique, un superbe sourire sur votre visage. Faites-le en redressant le menton, en redressant vos épaules, en mettant dans une posture ouverte. Mais surtout, le plus important, mettez-y une intention positive. Faites-le en remerciant pour cette nouvelle journée qui s'offre à vous, pour ce que vous allez faire de nouveau, de beau, pour le, le grand ciel bleu qu'il y a, etc. Et puis s'il pleut à, à des ravanelles à l'extérieur, c'est pas grave, trouvez une autre raison de vous réjouir de cette nouvelle journée. Donc mettez-y une intention positive. L'intention est fondamentale, fondamentale dans, dans, dans le, la visualisation. Et petit conseil, apprenez à vos proches à votre conjoint ou votre conjointe, à vos enfants, à vos parents, à faire de même. C'est un merveilleux cadeau que vous leur offrez. Cet exercice a l'air absolument anodin, mais dès lors qu'on le fait, on modifie presque instantanément les process, rappelez-vous, électriques, chimiques, neuro-hormonaux de notre corps. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Donc vous avez compris. L'étude de la posture, elle est fondamentale, elle va déterminer votre vision. Elle va déterminer aussi, au travers de ce système membraneux, vous comprendrez un petit peu plus pourquoi ça impacte, au travers des prochaines capsules que je ferai sur le système membraneux, sur l'aspect le, le, hydrique, sur l'hydratation et cette eau, on va dire, membraneuse euh, qui nous habite. Euh, elle va venir impacter, bien sûr, les processus ostéo-articulaires avec les mécanismes, les douleurs que vous allez pouvoir euh, ressentir, mettre en place, etc. Dès lors que vous portez une attention toute particulière à votre posture, vous allez voir que beaucoup de douleurs disparaissent, comme par magie, comme par enchantement. Et, et ça vient tout simplement, tout simplement des processus de la vascularisation aussi, parce que dès lors que vous modifiez votre posture, au niveau articulaire musculaire etc vous allez donc j'ai dit les flux l'électrocardiogramme l'électromyogramme euh, est modifié vous allez en plus avoir une action sur la vascularisation or je dirai et je le redirai plusieurs fois dans cette dans ces différents modules n'oublie jamais une chose la posture la mobilité crée la vascularisation et la vascularisation crée la Fonction. C'est-à-dire que si vous voulez qu'une partie de votre corps fonctionne bien, il faut qu'elle soit vascularisée. Pour qu'elle soit vascularisée, il faut qu'elle soit mobile. Et pour qu'elle soit mobile, il faut que votre posture le permette, tout simplement. Et si vous voulez derrière modifier vos schémas de pensée, rappelez-vous que nous sommes ce que nous représentons d'un point de vue postural. Voilà, je vous dis et je vous souhaite une très très belle fin de journée. Je vous dis à très 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 bientôt. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.